Hi. We're at Salut. Nous sommes à la ferme de Brad Carberry, près de Guelph, pour voir de quelle façon il gère son système de stockage de pétrole, afin d'obtenir une cote d'au moins 4 dans l'évaluation de son plan agro-environnemental. Il est important d'avoir un bon système de stockage des carburants pour protéger ma famille, mon bétail et ma propriété des déversements et des fuites. Ça ne prend que quelques litres d'essence ou de gazole pour contaminer tout l'approvisionnement en eau d'une ferme. Saviez-vous qu'une fuite lente d'une goutte par seconde peut ajouter jusqu'à 900 litres en un an? Mon réservoir est ici, près d'une ligne de transport d'électricité, pour faire fonctionner la pompe tout en étant loin de la circulation quotidienne. Il est également loin de tous les puits, ruisseaux et étangs. Ce réservoir est prudemment situé en respectant les retraits indiqués à l'article 5 du manuel sur le plan agro-environnemental. Vérifiez s'il comporte de la rouille. Assurez-vous que les tuyaux et les pompes sont en bon état. Détectez le moindre signe de fuite. Le réservoir de Brad est un réservoir à double paroi, alors il peut vérifier le vacuomètre pour voir s'il y a un problème. J'inspecte mon réservoir chaque fois que je l'utilise. Je note ce que je vois, puis je garde ces notes pour mes registres dans ma remise. Je garde une petite trousse de secours en cas de déversement dans ma remise. Mon plan d'urgence est également affiché ici. Ainsi, en cas de déversement, tout le monde peut commencer à réagir. Utilisez toujours les 4 éléments clés de la gestion des déversements. Premièrement, contrôlez le déversement. Arrêtez-le à la source. Endiguez le déversement. Pour un petit déversement comme ceci, de la simple litière pour chat fera l'affaire. Téléphonez pour signaler le déversement. Il faudrait signaler tous les déversements s'ils risquent de porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Dans le doute, téléphonez au centre d'intervention en cas de déversement. Nettoyez les lieux en suivant les conseils du centre d'intervention en cas de déversement. Soyez prêt à gérer une fuite ou un déversement. Faites en sorte qu'une légère source d'irritation ne se transforme pas en gros problème. Je prends la gestion du stockage de carburant sur ma ferme très au sérieux. Ainsi, mon approvisionnement en eau reste propre et sécuritaire.